Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playrooms de l'épisode de The Technomancer. Donc nous sommes descendus sur l'ascenseur et donc nous allons récupérer un maximum de choses que nous n'avons pas pu débloquer la dernière fois. Verrou niveau 3, je ne pourrais pas malheureusement. Cependant par ici peut-être des choses. Non. Bon. Why not? Alors nous savons qu'il y a des choses dans le coin, nous savons qu'on a un maître qui est descendu dans la zone, qui apparemment est juste à côté d'ailleurs, hein, donc ça va être assez simple à retrouver. On va quand même vérifier. Ça c'était pas prévu. J'ai bien rêvé, il n'y a pas eu un tremblement de terre. Et un deuxième. Et un troisième. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh! Des sauriens, voilà autre chose. Hop les! Problème résolu. My dear, dear Zachariah, a pleasure as always to see you. And my gratitude for your help. Now, please, stop calling me master. One of us. Il est sympa. Ah, je l'aime bien lui. Strange, some delivery I'm not expecting or something else. Il s'appelle Lucky. He said he had information to give. Didn't say what, but I thought maybe there was a chance he learned something about some relics during his travels. Relics are more the great master's field of expertise than mine. I like to stick to molding our young recruits, but come. Let us see what this is all about. Ouais, je suis d'accord, je préfère venir avec toi. Allez prendre l'ascenseur. Alors par contre, il y a des coffres et il y a des choses à fouiller là-dessus. Dépecer. C'est quoi? On dirait des espèces de rats, en fait. C'est des commandés. C'est des... merde, comment ils s'appellent dans... C'est des... comment ils s'appellent? Splinter. C'est des Splinter. Splinter le retour. Oh, ils ont du sérum en quantité. 5... 9, génial. Enfin non, je crois que c'est des petites zones, c'est des petites sommes en fait. C'est des petites sommes, n'inquiétez pas. Crocheté. Ah oh, c'est triste qu'ils mettent le pied dedans quoi. Regardez ça. Ok. On va avoir des mines à revendre, c'est pas plus mal. Au niveau de l'équipement, on est déjà amélioré à fond, il me semble. Hein. Ça c'est la map. Voilà. Tête. Alors, casque de mineur. Non, c'est laid. Ah non, 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 je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre ça, chers amis, je suis désolé. Oula. Hop, pistolet robuste, d'accord. Plein de pistolets robustes, pourquoi pas. Bon, sinon pour le reste, on est plutôt bon. On va, je pense... virer les choses qui ne sont pas intéressantes pour nous. Hop, parfait, aucun ingrédient récupéré, c'est vraiment dommage ça. Ici on a rien, pantalon d'aspirant. Ça peut être pratique. Ah non, j'ai la version au-dessus. J'ai la version au-dessus, on vire. Faudrait que je pense à équiper le... le truc de commande... d'artisan. Que je puisse avoir plus de chance à la récupération d'artisanat, je pense. Je pense que ça devrait marcher comme ça. Injection de soins. Au niveau des armes, on a encore des choses aussi à mettre. Hop. Ok. Grand aspirant. Et ça me semble bon. Ok. Ça, c'est plutôt bien. On s'en est occupé. C'est une bonne chose. Maintenant, on va suivre notre maître. Enfin, non. On va suivre Connor, pardon. Excusez-moi. Pas que je me plante. Ok, bonjour, j'appuie sur le bouton, Connor. Hop, voilà. On remonte. Vous pouvez voir votre équipement dans votre inventaire avec... Oui, ça me semble logique. Ça me semble logique. Vous pouvez voir votre équipement dans votre inventaire. Oui, vous pouvez voir vos objets dans vos poches. Oui, d'accord. Il y court, hein. Oh la vache. Allez, cours, plus vite, plus vite, plus vite, papy. Putain, l'armure qui se tape, par contre, je la veux. Je veux cette armure. Regardez ça! Cuir, cuir!
Ah là là, tellement sexy cet homme. Bonjour. Ah, il le cherche. C'est par là. Viens. Ça passe quelque chose, non? Non, c'est pas par là. Ça peut être par là si tu le souhaites, mais c'est pas par là pour l'instant, normalement. Je déverrouille ça, j'arrive. D'accord. On y va, je te suis. Par contre, il t'emmène clairement dans un traquenard. Si tu m'emmènes à droite, là... Alors? Non, c'est bon. Je crois qu'il m'emmènerait à droite. Allez, allez, on y est presque. My dear master. Ah merde. These walls have ears. Time to take this reunion on the road. Now. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non. Non 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 non, je voulais l'écouter J'ai été sage. Arrêtez vos conneries, j'ai été sage. Ah, faudrait qu'on l'écoute discrètement. Donc j'imagine qu'il fallait simplement que je m'accroupisse. Je sais pas si on dit m'accroupisse. Sûrement que si. Quand on sera arrivé sur place, j'aurais dû sauvegarder, j'ai été stupide. Il va tourner à droite. Je te suis, hein. Je rêve, on a exactement la même animation pour courir. Oh non, vous êtes pas possible. Là, il y a des travaux à faire encore, hein. Je sais que vous êtes un petit studio, Spiders. Que vous êtes indépendant presque. Mais non, non, il y a encore du boulot là. Hein. Oui, bah, tu sais, écoute, tirer comme ça en ligne droite. Non, il va faire le tour. Hein. Il va faire le tour. Hein. Qu'il est con. Ok. Ah, il cherche, hein, là. Il est au taquet, hein, le connard. Hein. Connard ? Il a filé. Allez, vas-y. Cours. Cours, connard, cours. Allez, cours. Allez, cours. Viens-tu. Allez, connard. Allez, connard. Connard, connard, connard. Allez, cours, 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 cours. Sauvegarde. Ah, ça devrait être bon cette fois-ci. Non. Et donc, faut que je me cache derrière. Ok, c'est bizarre. C'est très 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 bizarre. C'est très 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 bizarre. My dear master, it appears these walls have ears. Time to take this reunion on the road. Now. Non, donc j'ai un échec là. J'ai un échec, donc ça m'intéresse pas. Hop. Comment je suis censé faire? Comment je suis censé faire? Comment je suis censé faire? Espionner, d'accord. Really you, Andrew? Can it really be? I hate to disappoint Master Connor, but I don't die easy. And I have a little too much pride to just let myself be tossed out with the trash.
We got some explaining to do. We did not toss you out with the trash. We just did not know how to help you. Your talents were uncontrollable. So we sent you away, hoping you would forget and move on. Hoping I'd forget? When? Oh, il est manqué un bras. 10 years of my life wasted away at the hands of a merchant? I want my goddamn life back, asshole. I'm so sorry. I don't know how I could make it up to you. I don't know. But you can be damn sure I'll think of something. Get out. Andrew, I cannot tell you how remarkable to see you. Simply remarkable. Pardon me, Zachariah. You cannot know how unexpected this was. Thank you. D'accord. T'es trop fort, il te vire. Ok. T'es trop fort, il te vire. Alors on pourrait peut-être aller aux fameuses archives. C'était pas là, non? Les archives, c'était où? Il me semble que c'était là. Non, ça va être elle. Les archives, c'était où? C'était là. Et donc, il n'y a rien à y faire. Ok. On va commencer par les grands chefs. C'est eux que j'aimerais entendre. C'est eux que j'aimerais entendre à ce sujet. Bon, par contre, on saura pour les prochaines fois comment il faudra se planquer, c'est-à-dire trouver une zone un peu plus éloignée et appuyer sur la touche d'interaction. C'est pas une planque classique. C'est pas une planque à la Skyrim, si je puis dire. Hop. Il faut pas courir dans les escaliers, sinon vous vous cassez la goule. Alors, 3 km plus tard, on arrive enfin. 3 km plus tard, on est enfin arrivé. Hop, vas-y, fais péter, ouvre la porte. Waouh. Heureusement qu'on peut la passer l'animation, hein, parce que franchement, à force, ça commence à être saoulant. Est-ce que vous voulez que j'aille? Dites-le dans les commentaires, chers amis, et puis on verra ça le moment venu. Bonjour, alors toi, je veux même pas te parler. Yo! Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Sur les missions. Des informations sur Andrew. Andrew mean anything to you? One might as well inquire if my own name bears meaning for me. How could it not? For with that name is resurrected horrible memories of a horrible scar that cuts across the school's otherwise illustrious history. Scars that share a similar depth and origin as that which cuts across your face. Ah bon? Have you forgotten? He enrolled the same time as you, found his roots in outsiders just like you, but his family were traders. From the beginning of his apprenticeship, we found ourselves at a loss. How much of his excess fluid should be drained? Needless to say, we misjudged. His potential to be the greatest among us was forever lost and turned against us in a torrent of chaos as students like yourself fell under the debris. Oh. Then what happened to him? He lost an arm in the accident and did not survive. Oh la vache, ça lui a arraché son bras. D'accord. Intéressant. Intéressant, niveau 10. Ok, on a encore un point à mettre là-dedans, d'accord. J'en avais pas mis un là-dedans, moi. Non, j'avais mis là, effectivement. Au final, c'est pas sans... C'est pas tant, c'est... Ah. Monte les dégâts de l'attaque, réduit de 10% le temps de récupération de l'attaque. Je mets combien de temps avant de pouvoir la refaire, celle-là? Est-ce que je peux utiliser là déjà pour voir? Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Ah, attendez. J'ai pas justement le... Temps de recharge? Non. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il y a 30 secondes, donc ça fait 3 secondes de moins, donc ça vaut pas le coup. Ça ne vaut clairement pas le coup. Plutôt les dégâts, donc. Sans aucune hésitation, les dégâts. Hop, et ici, donc on peut se rajouter des points quelque part. Et ça, on va attendre. On va attendre d'avoir d'autres armures, d'autres choses. Parce que moi, je mettrais bien ici, hein, en constitution. Mais je préfère attendre. Ok. Donc. Au niveau de la quête, un combat d'élevage, un garde du corps pour un marchand. Marque du passé, d'accord. Gagner la première manche au championnat. Un garde du corps pour un marchand. Prendre son affectation, ça pourrait être sympa aussi de la faire, hein, depuis le temps. On va regarder le garde du corps, on va descendre. Pour le garde du corps. Et ensuite, on va remonter. Ce sera les dernières choses que nous ferons dans ces épisodes. Je pense. Ensuite, on reprendra l'aventure normale. On a vu le filtre se poser, c'était triste. C'était tout bonnement très triste. Et donc là, ça nous emmène dans les bas quartiers, trouver le mieux dans le plus fort de l'enclos. Mais là, ça nous y emmène pas? Les sous-sols, d'accord, effectivement, d'accord. Oui, ça me semble logique. Ça me semble logique. It's a logical. Bon, on y va, on court, et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des mots qui m'entourent. Comme des liens de nœuds et de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Je crois que c'est ça les paroles en plus, hein. Hop, bonjour. On est d'accord, c'est tout droit. C'est ça, puis à gauche. C'est ça. C'est un cul-de-sac. On avait une poubelle qu'on n'a pas fouillée. On n'a pas fouillé la poubelle, chers amis. On est des fous. On est des fous. Bon, au final, ce sera tout droit. Hop. C'est assez labyrinthique hein, quand même. Hein. Et mis à part le fameuse vie dont le trailer nous montrait, c'est-à-dire les actions sur les gens, tout ça, etc., les bidules, les trucs, les agressions, les bidules, les machins, les bidules, enfin les bidules, les machins, les trucs, je vais arriver à le dire parce que putain, j'arriverai pas à le dire. Toutes les interactions entre les différentes factions qu'on était censé voir dans les rues, ben, au final, on n'en voit pas. Pas du tout. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Établi, trouver le mutant le plus fort de l'enclos. D'accord, il y a carrément une zone en fait. Donc je vais prendre par là. Hop. Je vais en prendre par là, tiens, j'ai pas souvent pris parce que. Oh bah forcément. Oh les mecs! Ah bah si, j'ai souvent pris par là. Hop. Boum! Qu'est-ce qui se passe? Hop! Ah d'accord, il s'attaque aussi aux gardes. Hop! Cassez-vous. J'ai bien fait de les ramener là en fait, j'aurais dû le faire depuis le début. Injection de soins, parfait. Sérum 2. Plus on dévorit léger, pourquoi pas. On voit quand il y a des mecs en face, par contre ils ont beaucoup moins de couilles les bonhommes là. Hein. Ok, intéressant, c'est toujours bon à savoir. Bon à savoir. Est-ce que vous avez senti cependant les 25% de dégâts en plus? Moi pas de trop. Ok, c'est tout droit. Dans les bas quartiers. J'y suis pas déjà allé là, c'était fermé derrière. Bizarre que je sois pas allé déjà. On y va. Oh non, j'aurais reconnu. J'aurais clairement reconnu. C'est quoi ce bordel? Parler à contremaître. Bonjour. Hey there. You in charge of the mutant pen? Name Zachariah Manser, Ophir officer. Hey, yeah.
Pen's my responsibility. Sure. Dan Stewart, what can I do for you? Partir, d'accord, ok, utile. La musique est particulière. Je dirais même que la musique est très particulière. Alors, une petite sauvegarde pour la forme. De temps en temps, ça fait du bien. Ok. On va commencer par la gauche alors. Fouiller un peu l'endroit. Des cages. Donc, c'est carrément une, c'est vraiment un enclos d'animal, hein. Par contre, c'est nettoyer le sable, c'est un peu... sans vouloir vous contredire. Ok. C'est glauque. C'est plus des zombies que des... Oh la vache. Bonjour. Ok, bon, je crois qu'on l'a trouvé. Après, d'ici là, qu'ils servent de garde du corps. Oh, il y en a plusieurs en plus, dis donc. Ouais. Il y a des gros balèzes. Ok, on n'est plus reposé, cela dit. Hop. Voyons voir. Rien de bien intéressant. Cependant, il y a bien quelque chose à faire d'intéressant là-dedans. Mais est-ce que ça va se passer en douceur? Ça, c'est encore autre chose. Alors, allons-y. Parler à Beg. Parler à mutant. Bah non, parler à Beg. Quoique, attendez. On va peut-être le coup d'aller voir un mec normal. Bonjour. J'ai une proposition pour vous. Qu'est-ce que c'est? J'ai un acquaintance qui est en train de chercher un grand mutant qui peut être son bodyguard. Il promet qu'il sera bien traité. Non, non. Le chef ne va jamais le laisser travailler ailleurs. Et il ne peut risquer de se battre par les gardes. Le mec devrait trouver un autre mutant. Il doit retourner au travail maintenant. Ah la vache, ils sont. Ils se considèrent comme des animaux en fait. C'est... Ils sont pas humains, ils se considèrent comme des mutants. D'accord. Bonjour. Hey there, got a question for you. How'd you like to leave the pen? Go work somewhere nicer. Leave the pen? He is sorry, but this man must be joking. He knows what happens to any trying to leave. They get shot, killed. The boss man will never let him leave. Only way out is for him to rebel. But he's too scared. So if the man would excuse him, he must go back to work. Now. Je t'en prie, fais donc. Il parle même pas d'eux à la première personne. Hein. Ils se considèrent vraiment comme des objets. Bonjour. Hello. I have a proposal for you. A merchant is looking for a bodyguard and you look strong. He said that he would feed you if you protected him. Beg strong, beg very strong, and beg always hungry. C'est des conneries. If I understand, your name is Beg. Yes, Beg is his name. Him. Peut pas être comme ça. Je le vois pas comme ça en vrai. Protect man, but chief man, not let Beg leave. You mean the pen supervisor? Don't worry. I'll go talk to him. Parle pas comme ça en vrai, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il parle comme ça, non. Cassez pas un personnage aussi baraqué quoi, merde. Le mec, la première personne qui lui dira qu'il parle comme un con, il le tapera tellement fort qu'il sera décapité le machin. Oh là là. Bon, contre-maître. Oh, great, you're back. What do you want? J'aimerais acheter Beg le mutant. Beg.
Big Beg? Yeah, no, that ain't gonna happen. Losing him be like losing the work of four other mutants. Mais c'est pas une question. No, he's too strong to lose. Ok, sauvegarde. Ça, j'aimerais rediscuter. Oh, great, you're back. Il veut pas. D'accord. Ok. Est-ce que je peux remonter, imaginons? Non, apparemment ça ne l'indique pas. J'aurais même à remonter, chers amis, en fait. Et aller voir si je peux pas avoir, par exemple, l'ordre d'obéir. Et point barre. Ok. Bonjour Beg. You weren't wrong. The supervisor doesn't want you to leave. Looks like he enjoys your strength too much. What if you refuse to work here or initiate an incident so that he decides not to keep you? Beg not understand what men want. If you want to go with the merchant who will feed you, you must refuse to work here. Make some noise, you see? Yes! Beg, understand! Beg, make noise and refuse work! C'est bon, ça. I wonder if he realizes the consequences of what he's about to do. Better be ready to step in before something bad happens to him. Compte sur moi. Je serai là. What's he doing? Why is he making trouble? He'll still have to work. Beg, no work more! No work more! If he doesn't stop, he'll get beaten real bad. Qu'est-ce qui lui parle? No! Let them beat Beg! No work more! Then he gets what he asked. C'est quoi ce truc? I need to step in. Non mais oh. Hey hey, what's Hop. Going on here? You lost your minds? Break it up, you fucking parasites! Going after a human? Hell you thinking? And you? Why the hell are you back here messing up the pen? Come on, go! Get out! Look, I'm not trying to cause problems, but I already told you. I'm really interested in getting this slave. And since the others were just about to kill him... Je comprends pas du tout. Gonna kill him. Maybe beat the shit out of him as a lesson. Like I'm gonna do to you if you don't get out and stay out. Non, je vais juste le convaincre. Je t'ai fait une proposition pour l'acheter, tu n'as pas voulu. Maintenant, hey, hey, il just sort. Listen a second. This mutant's obviously showing a little rebellious streak. Leave him here. That streak might spread to the others, you know? Then what do you have? Plus, he refuses to work, so what good is he to you? Give him to me, and I'll make sure he gets back on track. Bah oui, non mais attendez, je lui ai proposé de l'argent la première fois pour l'acheter, il a pas voulu. Waste is what he is. LeBron. Fine, take him. Let him be your burden. Then we have a deal. Think you could take him to a merchant in the exchange quarter for me? Name's Fiorello. Yeah, sure. Why the hell not? I'm a fucking delivery service. Once I drop him off, though, I don't want to see you or hear another damn thing about him. He's your problem now, yeah? Fair enough. Have a good one. Oui, non, donc comme je disais, je lui ai proposé de l'argent, il a pas voulu me le vendre. Maintenant, j'ai pas à payer pour le soudoyer. Hein. Non, 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 ça c'est mort. Un peu trop facile, mon pote. Un peu trop facile. Non, non. Respecte-moi un petit peu. Et peut-être qu'un jour, je te respecterai. Il est revenu à son boulot, bah parfait pour lui. Nous, on sort. Hop. Crac. On éteint la lumière et on se rebarre. Hop. Voilà. On va pas se refaire agresser, on va pas se refaire agresser, pas encore. Make the slightest move, you're a dead man. Et des gens, je peux pas attaquer. Ok,
Hop. Oh, bien joué. Oh la vache. La balle, j'ai pas réussi à l'esquiver. Hop. Ok. Ok. Hop. Si vous êtes tous KO, c'est bon. On s'améliore, hein, on s'améliore, ça vient. Petit à petit, ça vient. Je dois travailler en gestion. Bah, on prend tout ça. Petit à petit, ça vient, mais c'est pas encore tout à fait ça. Hein. On se prend encore des coups pour rien, bêtement. On a encore des mauvais, de mauvais réflexes, en fait, parfois. Et je parle là de mauvaises réactions. Hein. Alors. Est-ce que par là, c'est bon? L'échange, parfait, oui, c'est bon. On va aller voir, donc, Fiorello, hein, je crois que c'est ça. Hein. Notre ami Fio. Fio, pour vous, c'est peut-être rien. Pour moi, c'est un personnage principal de Porco Rosso. Hein. Je vous invite encore une fois à aller voir, qui est un très bon Miyazaki. Alors. Hop. Par là, et tout au fond, normalement, on va le retrouver avec notre ami Beg, qui malheureusement n'est pas aussi intelligent que ce que j'imaginais. Man, nice man, help Beg, please. Qu'est-ce qui se passe? Beg soon leave with Master Merchant. Beg need help, man lightning. Qu'est-ce qui t'arrive? I guess that I can bring this down. Yes, it's a very nice drawing that you made. Yes, man lightning, nice. Give Master to Beg. Beg have memory for Mother. Make himself. You go give memory to Mother Beg. Is it me you're calling Man Lightning? Man, nice. Man, very nice. Where are you from, Beg? Have you worked in the pen for a long time? Beg, not know. Several, many nights. It's not gonna be easy to get anything from him. D'accord. Goodbye, Beg. Goodbye. Oh bah il est poli comme tout. Je suis désolé, moi c'est un bon garçon. Hein. Moi je l'aime ce bonhomme. Hein. Hop, bonjour Fiorello. Hey there, Fiorello. Ah, the one, the only. Bon. Recrutement du garde du corps. The mutant. Yes, yes, a wonderful specimen. Words and all. Mutant called Beg. Beautiful, yes, Beg. And his sheer size. Like he was simply built to dissuade any ill-intentioned folks from bothering us. Here, take this. Oh, t'es trop gentil. Any favor in return. Oui, bah t'inquiète pas, je n'hésiterai pas. Dommage que t'aies plus la fille. Bon, c'est pas grave. Donc. c'est une blague. Donc. Équiper son armure, nanana, d'accord, ok. Ben, il va falloir des gens déjà. Ça va être violent. On a une mission ici dans le coin, d'accord. Ici on a quoi? Donner le souvenir à la mère de Beg. Est-ce qu'on se fait ça puis on termine avec cet épisode là pour aujourd'hui? Hop. On va rejoindre la mère de Beg. Allez, avant de lui donner, on va se laisser là. Mais je pense qu'il y aura quelques combats entre deux, parce que bon, vous connaissez la zone, hein. Donc bon. Mais avant de leur donner, on va se laisser pour cette fin d'épisode juste devant, comme ça moi je saurai quoi faire en reprenant. Et ensuite, on pourra tout simplement continuer l'aventure, et je pense qu'on partira dans une quête principale. Pardon, j'ai le hockey. Je vais avoir le hockey violemment, là. Bon, on va pas s'embêter avec ça, le hockey. Oh la gueule. On va rejoindre la maman de notre ami. Hop, il y a un moyen de descendre par là? Non. Dommage. Vraiment dommage. Ok, on va traverser l'endroit. Hop, market. I can't take this anymore. I don't even have enough to feed my kids. My job feeds a damn fory more than my own family. Keep your mouth shut. Ouais, c'est pas faux, je ferais bien de te taire. To moan and end up sleeping under the sun the next day. I know, but how am I gonna survive?
Sell your diner and work for someone else. If you want to play it safe, live another day. Ils ont peut-être raison, hein. C'est pas ici qu'ils devraient être. Alors, c'est où sa fameuse maison, à sa maman? Sa maman, c'est par là. Bah, écoute, on y va. Donc, on a dit, on reprend le chemin vers les bas quartiers, à travers le marché, puis encore une fois à gauche, d'accord. Ok. Ah bah non. Poussez-vous. Arrière, ville créature. Ce sont des humains. Arrière, ville créature, j'ai dit. Ok. Et donc, c'est par là. Sympa donc, moi n'empêche. Hein. Là par contre, c'est très très bien fichu. Et donc, c'est elle, sa mère. Bonjour. You Jenny Labor. That's me. What can I do for you? Elle est plus grande que moi. Nothing for me. A mutant named Beg sent me to give you something. A souvenir, or I don't know. It's just a stone that he drew on. Thank you. Oh, my dear little. Hey there! Qu'est-ce que... The fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? The fuck? Non! Oh non, c'est triste! Ça, c'est violemment triste, je vais pas lui donner en plus! Oh merde! J'ai même pas eu de combat! Non, mais enfin, non, mais c'est. C'est horrible! C'est tout bonnement horrible! Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi ça va pas? La 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 la. Oh là là, non, 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 là c'est trop. C'est. Pouah! Ah, ça me choque! J'ai pas compris déjà pourquoi le bonhomme l'a interpellé. Et j'ai pas compris non plus pourquoi elle a décidé de se tuer avec la pierre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux savoir la fin. Je veux connaître la fin. Non, c'est écœurant. C'est complètement écœurant. On fait un truc gentil pour un mec qui est mignon comme tout. Et non, 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 c'est pas normal. Ah, ça me choque. Honnêtement, ça me choque. Hello, Beg. Oh, hello. Man have orders for Beg. I'm sorry, Beg. I gave your stone to your mother, but she died. I believe that she committed suicide because the police were about to arrest her. She put the stone in her mouth and died. Mother? Mother dead? No! I'm really sorry. I didn't think that she would do such a thing. Oh, le pauvre. Hello, Beg. Oh, hello! Man have orders for Beg? Goodbye, Beg. Oh, le pauvre, c'est violent. Goodbye. Ah, ça me choque. Je suis désolé, ça me choque, cher ami, moi. Moi, ça me fait pas plaisir, ce qui vient de se passer. Eh bien, écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!